dans quel état de santé est notre public? Ça va? Vous avez des questions que vous n'auriez pas osé exprimer, qu'on pourrait... Oui, c'est quand le... déjeuner. C'est quand le cocktail dînatoire. Moi, je dis. Ah, ça y est, j'ai la voix. Ah bon, mais est-ce qu'elle est égale à ce... Enfin bon. C'est tout le problème. Bon. Mon Dieu, eh ben, quelle complexité. Oui, pour faire l'innovation, mon Dieu que c'est long, mon innovation, mon Dieu que c'est long. Alors, faire... si t'es dans le numérique, 6 mois, si t'es après, et alors, organisationnel. Bah ouais, c'est, on donne c'est même compliqué. Plus de délai. Oh là là, ça fout le moral à bas. Mon Dieu, hein? C'était riche, hein? Tu as donné. Voilà. Ouais. Attends, moi je, après avoir, c'est vrai. Tu sais que c'est des tronches les trois là. Hein? Ouais ouais. Alors, ça attends, moi je me mets en position transversale. Ouais. Ah, ouais, je reprends un peu de terrain. Tu veux que je te fasse de la réanimation? Oui. Sinon, il est réanimateur. C'est un ancien réanimateur. Un pneumologue, mais tu as vu tous les échelons qu'il a gravis depuis, il est au ciel. Alors. Bon, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre, ça se croise, mais ça se. Bon, du regard de moi, tu dis dans quel détail ils sont. Ça me donne envie de. T'es, je sais pas si j'ai la permission. Allez, t'es, mais... On s'en fout. Parce que l'innovation, l'innovation, c'est de désobéir. On va faire vie. Vie, innovation, vie. Vie. Voilà. Vie. Nu. Vie nue. Yeah. Soyons fous. Bon, bah, déjà, on a commencé, déjà. On n'a pas demandé l'autorisation. Voilà. Non. Même qui croyait qu'on passait pas et qu'on passe quand même, parce que de toute façon, on s'est désorganisé, mais réorganisé dans la nouvelle désorganisation, voilà. En rupture avec le programme. Parce qu'il faut savoir dépoussiérer les structures, mais ça, c'est juste de l'optimisation. Il faut aller plus loin. Plus loin. Alors. Et moi, je... Alors, Tu sais quelle, hein, c'est... Moi, je suis Rosalie Fagon, détectrice d'innovation. Oui. Moi, je suis... Je repère les porteurs de projets. T'as vu, moi, j'y vais. Je les attends pas dans mon bureau. Facile. Moi, j'ai... Oh ! Oula, oula, oula ! J'ai l'indicateur ! Oui ! Voyons, est-ce que c'est... Oh là là, ça promet ! Oui ! Je sens que c'est une innovation en 9 mois. Je vais prendre un projet ! Alors, vous voyez, c'est mon projet. Oui. Je voudrais aller à l'international, je voudrais aussi aller... Ouh, le degré d'ambition ! Oui, le prix Nobel ! Oui, je veux tout ça. Une mise en marché internationale. Oui. Que vous soyez un produit et en même projet. Temps aimé, et en même temps tout. Enfin, tout, quoi. Santé, industrie. C'est un projet. Attendez. Organisationnel que j'ai fait. Oh, mais il y a du technologique aussi. Oui. Oh. Je l'ai conçu dans des colloques singuliers. Dans des colloques singuliers avec tous les acteurs du monde médical. Mais on a fait des va-et-vient. J'étais avec des usagers, j'étais avec des rues, j'étais avec des... Et ils avaient tous la même place ou il y en non, a Non, il y en avait le meilleur que d'autres. Oui, il y avait aussi des... Alors oui. Il y avait aussi des médecins hospitaliers et des médecins généralistes, le monde libéral. Mon Tout Dieu. Tout le monde a participé. Mais c'est révolutionnaire. Oui. Mais oui. Alors attention. Est-ce que c'est une innovation ou une simple optimisation? Oui, ben c'est la question que j'ai posée. Ah, je sens que ça va être... Bon, je sens que c'est le moment. Je m'excuse, vite, il faut accoucher en transversal. Je sens que ça va être rapide et lent en même temps. Là, je cours parce que je ne sais pas trop quoi faire, en fin de compte. Je sens que c'est important, Fagon, mais qu'en faire?
Béatrice, vous faites quoi quand ils en sont là, les... Vous les allongez. Voilà, tu vois, elle... Vas-y, allonge-toi. Je ne voudrais pas qu'on pique mon projet, hein, quand même. Attends. Là, vous allez assister à l'accouchement. En direct. Je ne sais pas quelle position prendre. Est-ce que... Je me mets... Attends. Légèrement au-dessus. Vous permettez que j'aille... Non. Vous allez me normaliser. Mais non, mais il faut bien que j'aille vers... Bah, c'est de l'emploi pour vous le tirer. Non, pardon. Je veux... Pas vous. D'autres acteurs. Toi, le 6. Viens aider à coucher comme ça, on ne pourra pas dire que... Allez. 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 Mon Dieu. Tu sais que... Vas-y. Ouais, sa tête. Il faut juste... Je te mandate. Allez, vous êtes un expert, vous aussi, hein. N'oubliez pas. Allez-y. Voilà, tirez. Mettez la main. Allez-y, voilà. Mettez la main là. Mettez la main là. Ah. Voilà. Oh. Wow. Wow. Oh. Ça va. Tu as vu, on a collaboré, hein. Tu vois quand même que tu es bon pour l'aide à l'accouchement. Attention à la chute sociale. Voilà. C'est mon projet. Là, il y en a des contributions. Voilà. Il y a beaucoup de contributions. On voit bien qu'il y a eu plein d'acteurs différents. En fait, j'accouche d'une mise en lien symbolique et vivante de tous les acteurs de la monde médical. On ne vous les citera pas tous parce que vous en auriez pour jusqu'à demain. Voilà, on a mis des couleurs pour les reconnaître et pour faciliter l'évaluation. Mais quand même, les grandes questions se posent. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ce sera accessible à tous ou ça va creuser les inégalités? Mais oui, normalement, c'est accessible à tous. Mais... Je pense que ça peut même s'ouvrir. Oh là. Évidemment, ça n'est pas encore dans sa phase finale. C'est juste le début, c'est encore très fragile. Il faudrait de l'incubation. Il faut que ça incube. Attends, on se réunit. On le met en incubation. S'ils disent non, ils sont morts, de toute façon. Alors, hop. Alors, je vous préviens tout de suite. Non. On l'a pas passé à la raquette réglementaire. Parce que quand même, il s'agit de santé. Il faut le risque zéro. C'est quand même pas un guichet unique, ce truc-là. Non, mais le guichet unique, il est là, il n'est pas encore créé, alors il passera pas. Hein. Non, il n'y a rien qui passe. À peine, en tout cas. À peine. Ouais, mais c'est un début. Non, vous allez me le transformer, là. J'en ai chié, quand même. On va le mettre dans un incubateur. Non, pas un incubateur, une incubation. Alors, ceci n'est pas un lieu. Ceci est un processus. Ouais. C'est ça. Attends. Je fais de la place dans le lieu. Vas-y. Attends, alors là-dedans, il y a tout un... On n'a pas bien compris le processus. J'aimerais rester en lien, quand même. Elle y tient. Alors, on va y mettre quand même un petit peu. Alors, oui. Ah, ben oui, ça, c'est le juridique. Eh ben oui. Il faut quand même s'assurer d'un minimum de conditions. On va quand même y mettre un peu de liquidité. Voilà. Merci. Hop. Avec ça, quand même, on devra avoir une... Pour démarrer. Ils font comme ça. Oh. Ça se transforme. Oh, dites-moi. Oh là là. Là, je pense qu'on contient quelque chose. Alors, ne vous inquiétez pas, les futurs acteurs, on vous le montrera quand il y aura quand même un peu... Voilà. Parce que pour l'instant, c'est encore un peu... Si, ça y est, ça vient. Mon Dieu. C'est trop beau. Ça, c'est le service hospitalier parfait, et c'est lié avec le territoire. Ça, c'est le truc. Avec les usagers et tout, quoi. Mon Dieu, il y a tout. Oui, il y a tout. Il y a tout. Tout le monde y est. Toutes les couleurs. Regardez. Il souffle. Il respire. Oh.
il est adapté aux besoins. Il s'adapte à tous les tarifs. Oh, c'est incroyable. Regardez ça. Aux besoins. Oh, la tarification, je ne sais pas si à l'acte ça va durer longtemps. Si, ça s'adapte à chaque, mon Dieu. Chaque besoin, chaque tarification. Regardez, chaque c'est personne. Pas beau ça. Tout le monde en lien de façon très harmonieuse. Hein. Hein, ça, quand même, hein, on peut rêver. Alors, on va le laisser. Hein, c'est le... On est toujours dans le sabre. Regardez-le bien. Voilà. C'est vous qui allez le mettre en application. Voilà. Il faut vous préparer. Au pire. Voilà. Oh, mince. Ah, t'as vu? Dès qu'on l'a mis sur le terrain. Il y a des contingences. Et Bataclan, Lélie et Rosalie, merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci à nos orateurs, bien sûr, pour cette première table ronde. Je voudrais, on le refera demain. Mais là, on peut peut-être à nouveau saluer quelque chose quand même de dont on ne se rend peut-être pas compte, vous vous êtes rendu compte bien sûr, mais on ne l'a pas préparé cette table ronde autrement qu'en colloque singulier avec chacun des orateurs, mais on n'a pas répété de table ronde. Donc elles ont totalement improvisé tout ce que vous venez de voir en nous écoutant il y a une heure. Ça vaut encore une salve d'applaudissements, je pense clairement.